Et bonjour tout le monde, c'est Ouz et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, eh bien on est sur Diablo pour parler d'un événement qui vient d'arriver. Et il s'agit bien sûr du patch 2.3, patch très très attendu. Puisqu'il faut dire ce qui est, c'est aussi un patch extrêmement, j'ai envie de dire, conséquent. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un patch aussi gros et ça fait vraiment plaisir. Mais en plus d'être gros, eh bien ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des features. Attendez, pardon, excusez-moi, c'est vrai que je ne dois plus utiliser le mot features parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas. On va utiliser le mot fonctionnalité. Voilà, il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées qui apportent une toute autre dimension au jeu, comme le fameux cube de canaille. Alors, ce cube de canaille, j'ai carrément fait une vidéo dessus pour l'expliquer en long, en large, en travers, donc on ne reviendra pas dessus en détail. Et puis, de toute manière, voilà, de manière générale, hein, c'est vrai que ça fait beaucoup de manières en peu de temps, mais bon, ce que je veux dire, c'est que. On prend le patch note et puis on reprend les grosses lignes ensemble. Hein. Comme d'hab, j'essaye de penser à vous mettre le patch note dans le descriptif de telle manière à ce que vous alliez un petit peu plus en profondeur dans ce patch note, que vous alliez voir les classes qui vous intéressent, etc. Donc voilà, allez, reprenons. Ce fameux cube de canaille se débloque où? Eh bien, il se débloque aux ruines de Secheron, acte 3, tout en haut à droite, nouvelle zone enneigée, magnifique, nouveaux ennemis, etc. Ça raconte la petite histoire des barbares et tout, donc... Enfin, si j'allais dire, je vous conseille de le faire. De toute manière, vous serez obligé de le faire puisque ce cube, on ne peut pas passer à côté. Donc voilà, nouvelle zone, les ruines de Secheron, nouvelle fonctionnalité, le cube de canaille, ce fameux cube qui va vous permettre plusieurs choses. Donc en gros, il va vous permettre d'extraire un pouvoir légendaire, de reforger un objet légendaire, d'améliorer un objet rare, de convertir un objet d'ensemble, de supprimer le niveau requis, intéressant pour monter des rerolls, convertir des gemmes et convertir des matériaux d'artisanat. Donc voilà, c'est un petit cube qui fait beaucoup beaucoup de choses et des choses très intéressantes. Alors par la suite, nous avons une nouvelle fonctionnalité, c'est le périple. Histoire d'intéresser un petit peu plus le mode saison. Donc ce sera un espèce de suivi des exploits personnels et grâce à une interface qui a été ajoutée pour l'occasion. Et grâce à ça, vous allez débloquer des petites choses. Notamment, il me semble sur le PTR qu'on débloquait des portraits. Voilà, donc pour les gens que ça intéresse, ce petit périple arrive. Ensuite, pour ce qui est de la catégorie générale, nouvelle difficulté. On ne s'arrête pas au T6 maintenant qu'on est super puissant, qu'on ajoute le cube de canaille qui va nous donner encore plus de puissance. Ils ont poussé la barre jusqu'au Torment 10, qui rappellera des souvenirs à toutes les personnes qui ont joué à Diablo avant Reaper of Souls. Le retour du Torment 10 est là. Alors la difficulté qui va avec, Torment 10 est équivalent à peu près à la Gerift 45, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc oui, c'est vrai qu'on n'ira pas en T10 dès le début d'une saison, mais on ira quand même relativement vite, je pense. Alors après, l'expérience obtenue a été également répartie, etc. Ils ont changé pas mal de petites choses. Là, je vois que la résistance maximale au contrôle de foule passe de 65 à 95%. Voilà, ça fait partie des petites phrases comme ça qu'on ne note pas forcément quand on lit un patch note, mais qui ont quand même leur impact en jeu. Donc, là, je vois les monstres ordinaires, donc les monstres non élites, bénéficient désormais de la résistance au contrôle des foules. Voilà, là on pourra plus s'amuser comme ça avec tout le monde, ils auront tous un minimum de résistance, donc voilà. Après les boss auront plus de résistance, c'est normal. Ensuite là je vois pas mal de choses qui ont en tout cas moins d'intérêt, genre les vendeurs ne vendent plus que des anneaux et des amulettes. Bon, qui achète du stuff aux vendeurs? J'imagine pas grand monde. Alors ensuite on passe aux classes. Pour ce qui est des classes, il y a un truc aussi qui est cool, c'est que on ne pouvait pas mettre tous les sorts en clic gauche, hein, donc le fameux clic principal. Il y a des clics qui restaient grisés, qui ne pouvaient pas se mettre en clic gauche, sans trop d'explications. Et bien là, ils en ont débloqué pas mal. Alors, est-ce qu'il en reste qui ne sont pas assignables au clic gauche? Je ne sais pas. Mais voilà, par exemple, le barbare, ils ont ajouté en clic gauche, donc, fureur guerrière, duromal, sprint, cri d'intimidation, cri de guerre, courroux du berserk. Ça fait pas mal de techniques. Le féticheur, par exemple, il y a juste maléfice et épouvante. Donc j'imagine qu'il reste encore des sorts. Après ça, c'est plus au niveau du gameplay. Peut-être qu'il y a des sorts qui... Parce que quand c'est avec le clic gauche, des fois on lance les sorts sans faire exprès, en maintenant mage et tout. Enfin, c'est un petit peu le bazar. Donc moi, j'ai pas tendance à mettre des sorts ultra utiles dans ce fameux clic gauche. Je mets des trucs qui peuvent se spammer ou voilà. Bon, en tout cas, vous le savez, il y a des petits sorts en plus qui peuvent être assignés au clic gauche. Nous avons les dégâts d'épines qui sont augmentés d'un montant égal à 100% du bonus aux dégâts de votre caractéristique principale. Why not? Les attaques de familiers peuvent désormais déclencher des dégâts de zone. Ces fameux mystérieux dégâts de zone qui ont l'air très très forts.
Et bien là, les familiers peuvent désormais les déclencher. Peut-être que cette saison, je vais vraiment me pencher sur ces dégâts de zone. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez important, mine de rien. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons eh bien, toutes les classes, le détail, des techniques qui ont été modifiées. Là, il y a des classes qui n'ont pas trop eu de modifications, des classes qui ont eu énormément de modifications. Voilà, c'est des runes qui ont été retirées, qui ont été supprimées, qui ont été modifiées, qui ont été rajoutées. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller sur votre classe pour avoir le détail de tout ça. Là, je vois que le barbare, il y a pas mal de petites choses qui ont été changées. Le croisé, très peu, hein, juste 3 techniques. Pareil pour le DH, juste 3 techniques. Le moine, 4 techniques. Et le féticheur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 techniques, donc, ou techniques ou passifs, qui ont été modifiées. Donc vraiment, le féticheur, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. Et c'est d'ailleurs, je pense, la classe que je vais jouer cette saison, puisqu'il y a pas mal de choses nouvelles. Et sur le PTR, eh bien, le gameplay m'a fait plutôt bonne impression, donc voilà. Vous risquez de voir pas mal de féticheurs sur ma chaîne très prochainement. Ensuite, le sorcier. Bon, pas trop de choses non plus, hein, juste 3 trucs. Et puis pas mal de corrections de bugs. Voilà. Pour ce qui est des objets, pas grand-chose à dire de ce côté-là. Il y a eu des modifications sur des armes comme l'ire bleue ou la fulminante. L'anneau des flammes infernales qui proc maintenant constamment avec une chasse. Ça, c'est con à dire, mais c'est quand même très important parce que faire une belle amulette des flammes infernales, c'était quand même assez casse-couille, hein, il faut dire ce qui est. Et bien maintenant, nous avons une gemme, une chasse obligatoire. Et ça, je peux vous garantir que ça risque de changer quand même bien des choses. Surtout que les machines infernales maintenant sont beaucoup plus faciles à farmer. Il n'existe plus les clés, on drop direct les machines et tout. Mais je crois qu'on pourra y revenir un peu plus tard dans le patch note. Et puis voilà, les épines de l'avocateur, le set totalement useless. Eh bien, il est désormais utilisable seulement par les croisés. Et je crois qu'il va être retravaillé au prochain, pour le prochain patch. Alors, les objets de classe. Alors, est-ce que c'est les objets... Non, c'est pas les objets de saison encore. C'est simplement les objets de classe qui ont été modifiés. Donc là, je vois déjà qu'il y a 2 nouveaux items. Donc pour le barbare, par exemple, il y a des nouveaux brassards qui augmentent la secousse sismique. Et des nouveaux brassards qui augmentent la vitesse d'attaque de marteau des anciens, etc. Il y a des armes genre découpeur du fjord qui était une arme puissante qui a été modifiée. Le roi immortel, hein, le bonus aux dégâts est passé de 100 à 250%. Donc il y a un up. Voilà, il y a des choses quand même dans chacune des classes qui ont été ajoutées ou modifiées, des objets de classe. Le croisé par exemple va avoir plusieurs nouveaux objets qui lui permettront de jouer la nouvelle spé avec le nouveau set qu'il va avoir, hein, donc avec les marteaux bénis. Par exemple, le croisé a donc des brassards qui augmentent le marteau béni. Garde de Johanna, c'est un bouclier. Argument de Johanna, c'est un nouveau fléau. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui vont être ajoutées. Et c'est vraiment ce qui fait plaisir dans Diablo, c'est que patch après patch, ça on le dit et on faudra le répéter autant de fois qu'il le faut. Quand il y a des gens qui se plaignent de Blizzard pour des PTR, des patchs qui tardent à venir et tout, dites-vous que c'est gratuit tout ça. C'est vraiment... C'est l'un des rares éditeurs, enfin développeurs même, qui fait vivre son jeu alors qu'il ne lui rapporte plus d'argent. Finalement, tous les gens qui ont déjà acheté, enfin, ça lui rapporte plus d'argent de manière directe, mais tous les gens qui ont acheté Diablo, eh bien voilà, ils ne vont plus repasser à la caisse. Hein. Il n'y a pas de cash shop pour ce qui est de l'Europe et des États-Unis. Je sais qu'en Chine, ils ont carrément un store dans le jeu et tout. J'aurais bien aimé l'avoir, hein, pour avoir quelques trucs cosmétiques. Personne n'est obligé d'acheter. Moi, je me serais fait plaisir sur quelques trucs, je pense. Mais en tout cas, voilà, quand je vois un patch comme le 2.3, ça fait quand même super plaisir, quoi. En plus de corriger les bugs et tout, eh bien, ils ajoutent constamment de nouvelles choses. Et là, voilà, à l'image du croisé, eh bien, on a carrément des nouvelles armes, nouveaux boucliers, nouveaux sets et tout. Et donc, une classe qu'on jouait déjà, qu'on connaissait presque par cœur, eh bien, tout à coup, pouf, on a un tout nouveau build qui sort. Et donc, ça, c'est le cas aussi pour les autres classes, hein. Là, le chasseur de démons, je vois par exemple qu'il a un arc à double courbure de Yang qui va augmenter la vitesse d'attaque de tir multiple, ce qui va créer encore une fois un nouveau build, peut-être autour de l'essence désacralisée. Le moine, le féticheur, beaucoup, beaucoup de choses. Ça va encore dans le sens du féticheur 2.3 qui me fait de l'œil. Là, il y a plein de choses qui ont été améliorées, changées, modifiées, tout ce que vous voulez. Je vois des choses comme le mort aux dents. C'était un masque qui existait depuis...
depuis Reaper of Souls. Et d'ailleurs, c'est un masque qui me faisait plaisir. Moi, dès la bêta, il m'avait attiré aussi. Je l'avais test, finalement, c'était pas si folichon. Et bien là, si on prend juste ce masque-là, le mort aux dents, les dégâts des compétences des simulacres bénéficient désormais des bonus de vos objets. Donc les simulacres, c'est des squelettes qu'on fait apparaître autour de nous qui vont utiliser des techniques qu'il y a sur notre barre. Donc ça va doubler, tripler nos techniques, c'est très intéressant. Donc le temps de recharge de nuages d'acide et zombies surprise des simulacres sont supprimés. Donc les mecs qui vont pouvoir spammer quoi. Les simulacres peuvent désormais lancer mur du trépas, ce qui est au cœur du nouveau set justement. Donc quand vous allez avoir mur du trépas que vous allez poser, ça va augmenter déjà vachement vos dégâts, plus celui de votre pote numéro 1, plus celui de votre pote numéro 2. Là, vous allez arroser la zone. Donc voilà, c'est un objet qui n'était pas ouf. Et bien d'un coup, il devient super cool. Et voilà, donc le harnais des crocs de l'enfer qui n'était pas terrible, il a été rework. L'approche de Manajuma aussi, hein, c'était un couple d'axe cérémoniel plus mojo, c'est retravaillé. Donc voilà, vous avez une liste incroyable aussi pour sorcier, pour barbare, pour ce que vous voulez. Allez vraiment voir sur le patch note le détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tout à coup deviennent très intéressantes. Ensuite, nous avons des nouveaux objets de saison. Alors, si on jette un petit œil rapide là-dessus, nous avons une nouvelle gemme légendaire qui va augmenter les dégâts et augmenter les dégâts contre les élites, donc contre les boss de faille même. Donc cette gemme-là, Fléau des Accablés, ça va être une gemme très 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 importante, à moins qu'elle soit nerf entre-temps. Mais voilà, donc rien que pour cette gemme, le mode saison vaut vraiment le coup, hein, parce que ce sera vraiment un must-have. Ensuite, le barbare, il a une nouvelle arme puissante qui augmente les dégâts infligés par Fandoir. Ouais, bof, franchement, le barbare, je pense... Après, on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il y a un build qui va sortir autour de Fandoir. C'est toujours la surprise dans Diablo. Mais je pense que ce sera pas folichon. Le croisé harnais sacré, donc nouvelle ceinture, ébranlement, je sais même plus ce que c'est, à l'endroit où le croisé tombe après l'incantation. Ah, d'accord. Lance, jugement, ébranlement, à l'endroit où le croisé tombe après l'incantation de couperet. Ouais, why not? Chasseur de démons, donc le dame du démon, nouvelle arbalète qui pose des pièges à points avec pièges collants qui se propagent aux ennemis proches en explosant. Je pense que ce sera pas non plus ouf, peut-être que je me trompe. Le moine, par contre, griffe de lion, nouvelle arme pugila légendaire, ajoute 7 coups supplémentaires à la compétence 7 frappes. Eh bien, j'ai préparé une vidéo justement sur le moine que je comptais sortir là dans les prochains jours, hein. Je pense que cette vidéo 2.3, je vais la sortir vite. Donc le lendemain du patch, le jeudi, hein, le temps de l'upload. Mais celle du moine, vous l'aurez peut-être samedi ou dimanche, le temps que je la réupload derrière, etc. Donc j'avais enregistré ça sur le PTR pour vous montrer un petit peu le nouveau set, le gameplay, tout ça. Et je disais, putain, j'ai passé un temps fou à farmer sur le PTR pour avoir telle arme et tout. Et dont l'arme griffe de lion. Et ben, j'ai pas fait attention que c'était une arme saison. Donc voilà. Genre de débilité que je peux faire. Voilà, j'ai farmé en mode non-saison, bien sûr. Je ne la droppais pas, je comprenais pas pourquoi. Et bien voilà, maintenant que je la vois sur le patch note, la griffe de lion est une arme saison. Donc après, est-ce que ce sera ouf? Je sais pas, puisque les moines ont tendance à jouer donc les points de chaîne longue en fire. Donc est-ce que la griffe de lion avec le nouveau set sera un set intéressant? Un build intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que pour le moine, le mode saison sera assez important, puisque si d'un coup ce set devient fort, vous serez obligé d'avoir cette arme. Le féticheur et la mésaventure d'Henri, donc c'est un espèce de petit chaton en mojo, c'est très très sympa, un chaton crevé, par contre ouais, je crois que c'est un peu glauque en fait. La première fois qu'un ennemi vous inflige des dégâts, ils sont réduits de 60-80% et il est charmé pendant 3 secondes. Et pour finir avec le sorcier, chaîne improbable de Fazula. C'est une nouvelle ceinture légendaire, confère automatiquement 15-20 cumuls d'Arconte au passage en forme d'Arconte. Ça, c'est fort. Le sorcier aussi, je le vois plutôt bien en mode saison. Voilà. Ensuite, nous arrivons au truc chiant hein, du PTR, enfin du patch note, c'est correction des bugs. C'est important, faut corriger les bugs, donc je les félicite pour ça. Mais on va pas les lire. Hein. Au fait, voilà, ça c'est bon. Il y a juste Champierre qui est supprimé du au fait, je mate les boss, donc bof. Et nous arrivons au mode aventure. Donc les primes ont été retravaillées aussi. Donc en gros,
le jeu ne propose désormais qu'un seul acte bonus par partie. Mais si vous allez sur cet acte bonus, eh bien quand vous l'aurez terminé, vous aurez deux caches au Radric. Vous aurez la première basique qui sera blindée, voilà. Et une deuxième où il y aura un petit peu moins de choses dedans. Mais bon, c'est toujours... c'est tout bénef parce qu'en plus, je crois qu'il y aura un composant dans la deuxième cache qui sera pour le cube de canaille. Hein. Donc, je pense que ça va être intéressant de farmer les primes dans l'ordre. Vous commencez par l'acte bonus. Une fois qu'il sera terminé, un deuxième acte va passer bonus. Et vous faites le circuit comme le jeu vous l'indique, voilà. Comme ça, vous allez optimiser les fameux composants d'artisanat propres à chaque acte qui vont vous permettre d'extraire les pouvoirs et tout du cube de canaille. Encore une fois, pour tous ces objets-là, je vous invite à aller sur ma vidéo cube de canaille si vous voulez plus de précision. Mais ouais, voilà, donc le farming de primes, va être quelque chose de très important. Vous faites les actes bonus dans l'ordre et vous n'aurez aucun problème. Ensuite, on arrive aux failles Nephalem. Les failles Nephalem, donc pylônes de conduction, ils savent pas trop quoi faire avec ça. Ils l'avaient baissé à 15 secondes, maintenant ils le rebaissent à 30, ils le remontent à 30 secondes. Mais il faut en sorte de baisser les dégâts infligés contre les gardiens de failles. Donc le royaume des épreuves qui a été retiré, alléluia. Directement, lorsque vous cliquerez sur l'espèce de pylône Nephalem là, vous aurez le choix entre faire une faille classique dans le mode de tourment où vous êtes actuellement. Soit vous cliquez sur Faille Nephalem et vous aurez un menu déroulant. Vous pourrez choisir directement quelle faille vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes monté jusqu'à 49, eh bien très bien. Si d'un coup vous avez envie de faire du speed G-Rift 35, eh bien vous pourrez choisir 35 et puis enchaîner comme les failles classiques. Boum, boum, boum. Plus besoin de passer par les... Pff, ouais, non, ça n'avait aucun sens ce truc d'épreuve. Qu'il fasse une épreuve au tout début, ok, mais qu'il faille le faire à chaque fois, c'était un petit peu débile. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, 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 très appréciable. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été changées, les clés de faille et tout. Les cristaux de sang qui drop, qui ont été augmentés à partir de la Greater Rift 42. Voilà, il y a toute une liste de choses. Et pour finir sur ce que je vous disais tout à l'heure, les porteurs de clés vous donnent directement maintenant des machines infernales. Alors, il n'y aura plus possibilité de split farm. Hein. Il faudra que tout le monde soit autour du porteur pour qu'il ait sa machine infernale et voilà, donc il n'y a plus de recettes vu qu'il n'y a plus besoin de les créer. Et pour terminer, parce qu'on arrive bientôt à la fin je crois, nous arrivons à l'artisanat. Donc tous les matériaux d'artisanat de bas niveau ont été retirés du jeu, les coûts d'artisanat et le taux d'apparition des matériaux ont été modifiés pour assurer un meilleur équilibrage entre les différents matériaux. Et puis après, le forgeron, voilà, qui a toute une liste de choses, des nouveaux objets rares qui ont été ajoutés, les objets légendaires apparemment. Par contre, voilà, ça c'est quelque chose, je me pose la question, les objets légendaires d'artisanat et les objets d'ensemble ne nécessitent plus de composants d'artisanat légendaire. Donc, plus besoin d'âmes oubliées. Ça va être très important de garder ces âmes oubliées pour le cube de canaille. Mais en contrepartie, nous avons un deuxième point. C'est où? C'est là, voilà. Les coûts d'artisanat ont été harmonisés afin d'éviter le déséquilibre entre les différents emplacements. C'est pas ça. Il y a un autre truc. Voilà, c'est ça. Les objets d'ensemble et les objets d'artisanat légendaire de niveau 70 nécessitent désormais des matériaux d'artisanat propres à un acte et non plus une âme oubliée. Donc apparemment, il faudra des composants qu'on aura dans des actes bien particuliers selon les pièces qu'on veut craft. Voilà, j'espère que ça va pas être quelque chose de trop chiant, on va voir. Mais bon, voilà, il y a des choses qui bougent aussi au niveau de l'artisanat. Et effectivement, pour finir, voilà, ça finit sur les monstres. Donc là, il y a pas mal d'affixes qui ont été modifiées. Par exemple, Geôlier, qui a été réduit en termes de dégâts. Geôlier, hein, et non pas Geôlier, comme j'ai tendance à l'entendre assez souvent. Renvoi de dégâts aussi qui a été modifié, l'enchantement empoisonné. Donc voilà, pas mal de modifications au niveau des affixes. Il y en a qui étaient vraiment chiants, d'autres pas trop. Donc là ils essayent de lisser un petit peu le tout. Par exemple les fameux murs, hein, les murs dégueulasses. Des fois les mecs ils nous bloquaient comme ça dans des murs. Et bien là apparemment ils ne pourront plus poser de murs les uns à côté des autres. Lorsqu'il y aura un mur, eh bien, ils pourront les poser qu'à 3 mètres, je crois. Là, j'arrive plus à retrouver exactement cette ligne. Hein. J'avais lu le patch note un petit peu plus tôt dans la journée. Mais voilà. Donc, ça va être assez cool là-dessus. Et il y a toute une liste de choses. Les requins des sables doivent désormais attendre au moins 4 secondes avant de s'enfouir de nouveau dans le sol. Donc, des choses qui sont super cool. Et puis, pareil pour les boss, les gardiens de faille.
qui ont toute leur liste de modifications, des durées qui ont été réduites, etc. Voilà, voilà. Chantepierre, ce gardien ne peut plus apparaître. Oh, j'avais pas vu cette ligne. Chantepierre, c'était notre ami, lui. Putain, c'était la VH du groupe, quoi. Le mec, il se faisait farmer et il en a marre. Hein. Je crois qu'il a posé sa démission, il a fait ça. Et moi, c'est fini, je me casse. Bon, et ben ça, c'est étonnant. Hein. Chantepierre, ce gardien ne peut plus apparaître. Bon, et ben écoutez, adieu Chantepierre. Voilà, on va finir sur cette note triste, malheureusement. Hein, mais c'est comme ça. Et ouais, voilà, donc là, on a quoi? On est... Ah, quand même, j'ai papoté 20 minutes. Hein. Je voulais faire ça très, très... rapidement, mais voilà, quand même 20 minutes. Donc moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est rendez-vous très très bientôt, puisque là, la saison commence vendredi, hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais la saison commence vendredi 28 à 18h, je crois. Donc je commence avec un féticheur, et comme d'habitude, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je joue le féticheur, je le monte. Alors après, je sais pas trop si ça vous intéresse que je fasse des vidéos pour partager avec vous un petit peu mes pérégrinations, on va dire. Je ne sais pas trop si ça se dit, mais il me semble que c'était bien dans le ton. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous partage mes aventures avec le féticheur? C'est-à-dire, même pendant la phase PEX, hein, en mode saison, histoire de discuter un petit peu, un petit carnet de voyage que je partage avec vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que je suis level max, là, je ferai des vidéos, puisqu'elles seront intéressantes. J'irai chercher les objets qu'il faut. Il y a beaucoup de builds qui sont possibles en féticheur. Je vous présenterai dans un premier temps un build pour aller farmer les fameuses primes avec le poulet pour aller super vite. Et puis après, je vous présenterai des builds au fur et à mesure du stuff qui arrive, tout simplement. Et une fois que j'aurai fait le tour du féticheur, eh bien, je passerai sur une deuxième classe. Peut-être genre le croisé ou le moine, je sais pas. Une chose est certaine, malheureusement, c'est que DH... Là, je l'ai joué cette saison, la saison 3. Je l'ai joué en deuxième perso, étonnant. Hein. Mais là, sur cette saison 4, je pense... Hein, après, ça peut bouger. Hein, mais l'ordre que je vais faire, ce sera féticheur. Ce sera... bon, il y a le barbare que j'ai toujours envie de jouer. Hein, mais bon, pour le moment, je me dis, j'ai assez fait le tour du barbare. Donc, on va essayer de le mettre un petit peu de côté un certain temps. Mais ça se trouve qu'il va revenir prendre la deuxième place, je sais pas. Mais pour le moment, c'est féticheur, croisé... Et moine, les trois classes qui ont un nouveau set. Voilà, c'est les trois classes que je vais jouer en prio. Et puis après, ce sera barbare hein, s'il a pas piqué la place d'un de ses potes. Et puis pour terminer, si j'ai le temps, parce que les saisons, ouais, c'est vrai que ça peut être long quand même, 4 mois. Si j'ai le temps, je finirai sur sorcier et DH, mais c'est pas la prio ces deux classes là. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour des vidéos sur Diablo et pas que, hein, vous avez l'habitude maintenant. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, ciao les gens.